Voilà les amis, donc le setup de ce soir pour la lune. Donc le setup c'est quoi? Ben, c'est une caméra SV Boni 305, voilà. Mais surtout on a ici un setup assez particulier, donc la petite caméra, et puis tout autour là, au bout, on a la SV 501P, donc SV Boni 60 mm d'ouverture, 400 mm de focale. C'est vraiment une tout petit setup. Voilà, ce qu'on appelle une lunette d'initiation pour les enfants. On va ouvrir la session. Alors je suis désolé, j'ai attrapé un petit rhume, donc je vais avoir la sniffette. Hop. Alors on y va, on va ouvrir le logiciel de capture d'image, donc ce sera SharpCap version 4.0. Voilà. Hop, il y a une nouvelle version où on la mettra à jour plus tard. Voilà. Caméra SV 305. Donc, comme il y a du poids avec la caméra, chaque fois que je serre, ça plombe. Voilà. Ça tombe vers le bas. Voilà. Grosso modo, on a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Voilà, hop. On va essayer de pas trop bouger. Et puis on va essayer de faire une mise au point correcte. Voilà. Voilà les amis, je vais mettre ici dans ce petit coin. Et ben voilà, on a la lune. Elle est plutôt pas mal. Mais écoutez, je vais me mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse bien profiter du spectacle et je vais lancer la capture. Cible Moon et c'est parti. Alors on a une image assez sympa, franchement pas mal. Ouais. Alors elle a un petit peu cramé ici sur le bord là ici. Donc je vais essayer de voir si je peux régler le gamma pour essayer de récupérer quelque chose. Le contraste. Pas évident. Hop, je vais me mettre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la saturation ? Hop, donc je vais régler les rouges un peu plus par là, les green un peu plus par là aussi, et les bleus aussi. Ouais, c'est pas top tout ça. Voilà, au niveau du contraste, je vais arrêter la capture. Voilà. Je vais remettre la lune au bon endroit. Hop.
Voilà. Alors, est-ce que ce ne serait pas une question de mise au point, du coup? Là, on est pas mal, là, au niveau de la mise au point. Allez, je lance une capture. Hop. Voilà. Je vais augmenter un peu le gamma. Voilà. Baisser un peu le contraste. Voilà qui est bien. Au niveau du gain, est-ce que si j'augmente le gain, non, faut que je le baisse. Par contre, si je baisse l'exposition. Écoutez, ça me semble pas mal hein, comme séance ce soir. On a du signal. Hein. Mais cette petite... franchement, cette petite lunette, elle est épatante. Hein. Elle a l'air de rien. Et elle permet de faire quand même des choses bien, bien, bien sympathiques. Hein. Franchement... ouais. C'est bluffant. Hein. C'est bluffant. C'est méga bluffant. Donc ici, par exemple, on a Coglienus, ici. Un peu de vent quand même. Beaucoup moins que quand j'ai fait la séance en solaire. Mais franchement, cette petite lunette SV105P avec la caméra donc SV305, franchement, ça a l'air de rien, mais pour un débutant, c'est sympa. Voilà, on va arrêter là la capture. On va essayer de faire du one shot. Hop, je vais remettre la lune, hop, au bon endroit. Voilà. Allez hop, on va essayer de faire un one shot, donc un instantané, c'est ici, on a une petite... on va essayer de se faire ça. Ah, on a encore un train. Voilà, je fais des petites captures de la lune. Franchement sympa, c'est pas moi. Merci. Allez. Donc cette petite lunette, elle peut être utilisée pour faire de l'autoguidage, hein, tout simplement. Voilà. Alors Maurice. Ah, vous êtes tous les deux là, les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez? Bon. Allez, nous on va se rentrer, hein, parce que commence à faire froid.